niggas f***ing animals. Then you and my friends would hang out on the week. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo DIY et beaucoup appréhendée. Donc je vais vous montrer donc ce que ça donne à la fin. Donc j'en ai fait un comme ceci. Donc ça donne ça à la fin. Donc voilà, donc bah moi je vous laisse avec la vidéo. Donc pour ce DIY vous aurez besoin donc de... Donc j'ai pris de la peinture acrylique. Il vous faudra donc de la sous-couche. Moi j'ai pris celle-là. Donc tout ce que j'ai pris vient de chez Action, à part les figurines. Donc ça. Ensuite donc j'ai pris de la colle. De la colle multi-usage. Ensuite il vous faudra donc un bocaux avec un couvercle, mais là c'est parce que je m'en suis déjà servi. Ensuite il vous faudra donc des figurines. Là comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis donc les sous-couches. Maintenant on va les mettre en peinture, on va les mettre en grise. Donc pour faire mon gris, c'est ça, donc je prends un ramequin, que je ne me sers pas d'habitude. Donc j'ai mon pinceau qui est ici. Donc je mets du blanc, enfin de la sous-couche en fait, donc qui est blanche, donc voilà. Donc je mets une bonne dose de blanc. Ensuite je prends mon noir, enfin mon noir gris foncé. C'est plus du noir, mais voilà. J'en mets un peu dedans. Et donc du coup bah, je fais le mélange normalement en fait. On pourrait avoir un gris assez clair. Je fais mon mélange correctement. Enfin je prends bien toutes les couleurs, etc. et tout. Donc voilà, donc là j'ai le gris qui me que je veux en fait tout simplement. Qui n'est pas trop foncé ni trop clair. Donc du coup bah, je vais l'appliquer donc sur ma mon pot et on fera environ on va mettre environ 2 couches de peinture. Donc là voilà, donc si vous en avez sur le doigt c'est pas grave, vous frottez et ça part quoi, ça part à l'eau, donc c'est nickel. Alors j'ai plein de petits poils qui se mettent, ça va commencer à embêter. Donc hop, donc si vous en avez sur les doigts, c'est pas grave quoi. Ça partira à l'eau. Hop. Donc là j'ai fait donc, que le dessus, donc sur les côtés je ne l'ai pas fait. Simplement parce que sinon après ça va accrocher au papier. Et je ne veux pas parce qu'après ça va pas faire beau. Donc voilà. Et donc je ne vous l'ai pas montré. Mais en fait ces trucs là, donc les petites vignettes de chien, je les ai. Donc je les ai mis en peinture. Donc voilà le gris que ça donne. Donc là, on l'a mis en peinture. Donc tous les côtés. Donc c'est sec. Donc là, j'ai mon petit chien. Donc maintenant, je vais coller le petit chien dessus. Donc on prend la colle. Donc la colle, elle a un embout un peu spécial, la colle d'Action. Donc on colle. Donc en fait, je mets de la colle donc, sur les pattes. Tout simplement. Je colle sur les pattes. Donc je remets un peu s'il n'y en a pas assez, bien entendu. Et maintenant, je prends, donc je le positionne à peu près au milieu. Donc j'appuie, donc il reste, on voit un petit peu de colle qui reste, mais bon, ça. Donc ça, les premières sont pas là. Mais je pense pas que ça enlève beaucoup. Donc ça s'enlève pas, mais bon, ça, après, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Donc là, j'ai pris mon bocal. Donc j'ai pris des crayons G, donc je vais mettre cela dedans. Donc
enlever. Hop. Donc je les verse dedans. Donc voilà. Donc il n'est pas rempli à fond, mais ça, c'est pas très grave. On va en donner un à Mila. Assis-toi. Assis. Super. Voilà, donc il va manger. Donc là j'ai mon pot. Donc là j'ai mon petit couvercle. Puis là vous mettez normalement quoi. Hop. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne à la fin. De toute façon, je vous mettrai donc des photos. Hein. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une vidéo. Bye!